Bienvenue dans le premier wiki vlog de Shirin et Kenza sur YouTube. Day one. On était à Nantes ce matin et là on est venu à Paris et on se dirige vers Webedia chez Smile. Il fait un peu chaud, non? Ouais, je l'ai ouvert. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ouvre ici. Ouais, Kenza, elle avait... T'avais peur que ce soit trop des trucs genre... Mais Shirin, je suis malade. Ah oui, je vous dis, aujourd'hui je suis malade. Peut-être demain je serai pas malade en fait. Là, on est dans une petite salle, une grande salle, c'est dans les couleurs de. Non, moi celle que je kiffe, c'est celle qui est là-bas. La petite là, à moitié où il n'y a pas de fenêtre. Ouais. Mais t'as mis quoi sur Shirin et Kenza? Bah, j'ai mis une story. Ah. Surtout, tu m'as dit, j'ai mis une story, j'écoute tes ordres. Oui, trop choupinette, regardez. Non, mais attendez. Il y a un an, jour pour jour, on est parti chercher Nala. Regardez mon petit bébé d'amour. Oh là là, moi. Toi, t'aimes trop exprimer ton amour. On s'en fiche. Shirin, elle aime les gens, elle le dit. Hé, hey, ah oui, calme down. Trop une fille facile. La vie, t'es trop une fille facile. Oh. Wiki vlog. Du coup, faut pas qu'on vous oublie sur Snap aussi. Ah, oh, j'ai plus de. Bon, Valentin, il est parti nous chercher à boire. Ouais, mais après, les gens vont savoir où je suis. Mais non, comment je fais, vas-y, mets-moi. Je vous explique, moi je connais rien sur les téléphones, je suis une grosse merde, Kenza connaît tout, vas-y. Dépêche-toi, arrête de te la péter par contre. Arrête. T'as vu, après je vais te donner une claque, je vais te faire mal, et tu vas encore pleurer. Vas-y. Shirin, c'est pas mal si tu réponds pas au commentaire. C'est bon, je rigole. Moi j'ai un truc. Mais arrête de dire ça. Non, c'est pas bien, réponds pas. Je rigole. Elle fait des TikTok. Ça fait un TikTok, les gens ils m'insultent. Ah ouais, j'ai fait un TikTok, les gens ils l'ont insulté Kenza. Ils ont dit ouais, en fait Kenza, c'est grave une mauvaise. Tu sais que ça me dérange pas, mais sauf que tu réponds pas aux commentaires. Mais c'est bon, je vais répondre Kenza, il y a des commentaires partout. Je suis perdue. T'as vu, tu fais trop la star. Mais je suis pas la star. Je t'ai juste répondu. Dis donc. Mais dépêche-toi. Ok, vas-y, c'est bon, je te mets pas. Ah, pardon, j'ai pas fait mal. Désolée, je suis désolée. Arrête. Et déjà, si je te mets pas, c'est que j'arrive pas en fait. En fait, j'ai des tics. J'espère qu'elle est bien cette vidéo. Je parle pour les petits pots, je parle pas pour toi. Attends, sinon j'ai mon sac, mais sur tes côtes. Mais tu valides pas. Tu vas. Tu valides pas. Ok. Je valide pas. On est au bureau terminé, on pense. J'ai toujours rêvé de travailler dans un bureau, en jogging en plus. Bon, allez, on va à la gare, on rentre à Nantes. Par contre, Fouquet, il est au courant, on n'est pas jumelles. Mais tout le monde nous appelle les jumelles. Tout le monde nous appelle les jumelles. Ça va les jumelles? Ouais, ah ça non, va, mais on n'est pas jumelles en fait. J'allais dire nous connaître en fait. J'allais dire mec, on n'est pas jumelles, après je dis vas-y, laisse tout. Wiki vlog qui commence un peu bancal parce qu'on n'a pas vlogué hier. Shirin, elle a enchaîné la journée, elle a pas filmé. Et moi, tu sais ce que j'ai fait? J'ai dormi, je me suis réveillée. Hier matin, j'étais KO. Mon corps, il m'a dit, meuf, je suis KO, dors s'il te plaît. Mais j'ai dormi jusqu'à 22h, normal. Là, j'ai encore un peu KO, mais au bout d'un moment, faut pas dormir dans la vie. Je me suis levée genre à 22h et j'ai travaillé. Alors, je pense que je peux vous le dire là, parce que normalement, ça sera déjà sorti avant que le vlog y sorte. Du coup, notre nouveau projet, c'est un site de vêtements. Je vous mets juste ici. Et là, je suis à l'étape de... J'avais une galère sur le site pour prendre le domaine, le machin. J'ai enfin réussi à débloquer le truc hier. Je suis trop contente. Mais vous avez même pas vu Nalux. Regardez-moi, regarde comment elle fait sa tête, parce qu'elle a vu que j'ai mis mon sac en mode « Ramène-moi avec toi !» Va, Nala. En plus, il pleut là, et madame, elle veut pas sortir, elle aime pas sortir quand il pleut. Si, t'en attends, elle aime bien. Elle est folle. Et descend, animal sauvage. Elle a un son du visage, du coup, elle a fermé la porte à clé. Je dois attendre qu'elle termine. Arrive. Enfin. Je suis dehors depuis tout à l'heure. J'ai ma fille. Il est pas là. Ouais, mais il est où? Bah, mais c'est... Là, il est 14h, je suis rentrée à la maison.
pour récupérer ma mère qui va venir travailler au salon. Récupérer Nala pour aller lui faire une grosse big balade. Et comme ça, après, je retourne au salon travailler sur le site. Mais franchement, pourquoi le téléphone... La caméra à bouche comme ça. Mais franchement, mais calme-toi, meuf. Mais franchement, j'ai grave bien taffé, je suis contente. Il me reste plus que les articles à mettre, hein, parce que j'ai fait les prix et tout. Là, je suis en train de comparer les prix un peu avec des autres sites pour voir si je suis pas trop au-dessus ou trop bas. Mais franchement, j'ai bien géré, hein. J'ai fait mes calculs et tout avec la marge, machin. Et franchement, pam, je suis dans les cordes. On prépare des petits pasta et du poulet pour l'emmener à Chérin. Et moi aussi, j'en avais un petit peu de chaos technique. Là, je suis avec Nalux et j'ai trouvé un petit endroit de balade pas trop loin du salon. Et comme c'est un peu la tempête, il pleut et tout, je vais pas m'aventurer sous les arbres, etc. Donc. Nala au pied. C'est bien ma bichette, oui. Nalux! Hé! Oui, 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 oui! Doucement! Hé! Mais Nala bien fatiguée! C'est bien ma bichette! On va rentrer! Bah oui! C'est les carreaux! Du coup, elle me lèche et tout, enfin bref, c'était n'importe quoi. Une vraie meuf des réseaux sociaux, quoi. Ah ouais, tout pour les caméras. Chérine, t'as même pas dit, t'as même pas trop parlé au vlog aujourd'hui. Hein. Tu fais un peu trop la meuf, la femme d'un car. Demain, t'inquiète, tu veux pas. Bah non, mais là, il est là. Alors, moi, je dis, enfin, un peu trop la star. Parlez même pas avec elle en fait. Mais voilà, tout quoi. Bon, là, c'est la petite pause. Du coup, Chérine, il reste une cliente. Il est quelle heure? 16h? Bref, personne ne me répond. Il 16h46. Est... 16h46, il lui reste une cliente. Et moi, je suis en train de grailler un petit sandwich et tout. Et après, je me remets sur le site. Il ne me reste pas beaucoup de trucs à faire. Je finis ce soir. C'est sûr. C'est canon en vrai. Ouais. Moi aussi, ça faisait longtemps, mais ouais. C'est canon. C'est trop bien que vous avez une petite étiquette et tout. Ouais. Bah, c'est le début. Après, il faudra faire les étiquettes de taille et tout. Les vêtements, ça a fait genre, je sais pas combien de temps qu'on les a. Ouais. Plus de 2 mois, hein, facile. Des années, je vais avoir un truc de... Mais ça fait plus de 2 mois parce que c'était au mois de juin, on voulait lancer pour l'été. Okay. On a des robes, t'imagines, on les lance en septembre. Sans ça. Et franchement, j'ai une copine, parce que je fais un vlog là. Mais qui sera prêt. J'ai une copine, c'est une pépite, j'ai même pas mis le site en ligne et c'est ma première cliente. Elle est trop mignonne. Hein. Regardez, j'ai même pas mis les étiquettes encore. Elle m'a pris 2 ensembles. C'est des pépites. Hein. Ça fait trop bizarre de les voir partir. Genre, j'ai l'impression qu'ils vont me manquer cette carte de remerciement. Non, ça va être galère. Paiement refusé. Bam. Tu veux pas le ticket? Non, merci. Ok, thank you, girl. Tu peux prendre ta carte. Thank you. Kenza, elle casse sa joie, genre, ah ouais? Je promets, ne calcule pas mon état. Tu es malade, je sais. Mais en vrai, on dirait que je suis faible. Genre, on dirait qu'il me manque de l'énergie, là. Je te jure, c'est trop bizarre. Je me force à pas dormir, parce que hier, j'ai dormi toute la journée. Non, t'as pas dormi, c'est normal, c'est rien de dire. Non, mais maman, hier, j'ai dormi jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, j'étais dans mon lit. 22h, tu te réveilles, tu manges, et après tu redors. C'est ça, quand tu es malade. Mais c'est ouf. Ma copine elle veut même pas se montrer, mais sa fille elle a le droit. Oh là là. Enfin, on vous dit que c'est elle, sauf en plus vieille. Ça va, t'es contente? Ma mère elle lui a fait un soin avec un gommage et tout au salon. Et là je vais lui faire des tresses collées. Elle va. Je sais pas si tu vas dormir avec, mais comme ça elle en profite un maximum du soin. Tresses collées, Chérine elle fait beaucoup mieux que moi, mais c'est très bien. Ça fait très bien l'affaire, comment je l'ai fait. Et d'abord, likez, abonnez-vous.
Jasmine avec le sourire. Je te ramène la semaine prochaine. Je suis heureuse d'être là, moi. La première fois que je suis dans un monde, je vais voir sur YouTube. C'est vrai. Bah, je vais mettre les articles sur le site. On pourrait rester encore un petit peu si ça... Bah non, parce que pour rentrer, c'est ce que je vais faire, ils travaillent. Ça, c'est trop la phrase des mamans, on va rentrer, genre c'est angoissant quoi. C'est horrible, je trouve ça horrible comme phrase. Pas beau quoi. C'est horrible. Maman, après on va faire tes sourcils. Non. On est juste venu ici pour moi. Ouais, je voulais faire mon truc, tu vois. Elle est gentille ta maman, hein. T'as de la chance. Mais t'as de la chance de la voir comme copine. Et ça c'est quoi? Pourquoi c'est ici? Parce que en fait ça sert à rien que ce soit ici, il faut juste réorganiser. Réorganiser, il faudrait organiser. T'es trop marrant quoi. Toi tes bagues elles traînent partout. Oh putain, mais elle commence la meuf. Est-ce que c'est cool de travailler avec sa sœur? Mais oui, bien sûr. Vous allez pouvoir profiter de Chirine là à l'instant. Non, mais arrête, elle aime trop dire que... sa mail, elle aime trop vlogger quand genre je suis pas dispo aussi. Mais meuf, t'es pas dispo toute la journée. C'est bah, excuse-moi de taffer en fait. En plus, t'as une tune qui va arriver là. Oui, bah, c'est... on fait. Bah, vite. Bah, je voulais le faire avec toi, mais. Ouais. Mais t'es chiante, Kenza. Mais non, c'est toi, t'es chiante là. Bienvenue dans une querelle de sœurs. Ça va? Ça va. Bon, c'est bon, Chirine, elle enchaîne les rendez-vous là, elle commence à travailler. Et moi, je me tâte à faire un petit coup de rangement dans le salon. Ensuite, je vais aller à Métro acheter des trucs. Métro, c'est un magasin un peu pour les professionnels. Il faut avoir une société et tout pour pouvoir acheter là-bas. Donc, je vais aller faire un tour là-bas. Et j'attends les meubles Ikea. Ma mère, elle est en train de les commander. J'ai trop hâte. Dès qu'ils sont là, bim, je monte et je range le bureau. Parce que là, je peux rien faire. Et je peux pas lancer le site tant que le bureau n'est pas rangé. Et sinon, hier soir... Je vous ai pas montré, mais j'ai taffé grave longtemps sur le site, donc il est presque en place. Je suis grave contente, il reste que des petits trucs à peaufiner. Puis j'ai fait ma première vente Cure Love Tiny. J'aimerais bien quand même faire du contenu parce que, comme on enchaîne, on a même plus le temps de faire du contenu, ça me rend trop triste. Je dois aussi répondre, enfin envoyer un message parce qu'on a une collab la semaine prochaine avec Jadal. Et du coup, je dois envoyer nos idées. Bonjour! Oui, bien sûr, sur le site directement, vous pouvez prendre rendez-vous. Au revoir. Ça, c'est un truc qui me saoule. Si vous faites partie de ces abonnés-là, qui appellent le salon pour, juste pour appeler, je trouve ça trop nul en fait. En plus, je trouve que c'est du manque de respect. Vous avez pas capté, mais vous appelez. Oui, bonjour, ça doit vous rendre rendez-vous. En fait, je le sens direct quand c'est du foutage de gueule. Parce qu'on répond sur TikTok, sur Insta et tout, qu'on vous parle pas directement là quoi. C'est kiffant. Mais là c'est chiant parce que tu vois, c'est un numéro professionnel, c'est vraiment que pour la... Sa cliente elle vient de partir, du coup je l'appelle. Ah, tu m'as fait peur. T'es bête hein. Putain, mais c'est que... Vous voyez, on est tellement en train de courir partout tout le temps. Y'a même pas de story sur l'institut meuf. Moi je fais des stories sur Snap, ok, hein, pendant que la caméra chargeait. Et j'ai fait tout le ménage du salon, je suis grave contente. Enfin pratiquement. Ça se voit ou pas que j'ai fait le ménage? Là, MDR, wesh. MDR, wesh. Non, on dirait pas, mais c'est nettoyé. Il manque juste les placards pour mettre dedans. Tu sens pas, là? Les placards, on les a quoi? Ils sont montés quand? Ils ont monté quand? Demain, Inch'Allah. Ils sont montés quand? À 13h, à 13h, c'est dispo. Ouais. Et après, bah, j'y m'y mets. Direct. Direct, Inna. Ouais. Direct, en fait. Je vais acheter des sucettes en cœur pour les mettre dans les colis. Yes. Et si tu veux quelque chose... Bah, je sais pas. Là, c'est bon. Bref, c'est notre premier jour à Métro, on va voir ce qu'il y a. Par contre, faut envoyer les idées, j'ai la dalle. Est-ce que tu peux bien me le réécrire? Mais Kenza, t'es chiante, envoie ça. Ça? Mais c'est... Ma soeur qui prend une salade chez J'ai la dalle, on arrive au comptoir, Chirine. Alors, moi, je veux burger. Kenza, moi, je veux une salade, Chirine choquée. Toi, t'écris bien, Chirine, c'est pas bien ce que tu fais. Hein. Assis, Chirine, manger son burger. Mais écrit français, ma soeur. Qui regarde choquée, Kenza, choquée et eux.
Kenza manger sa salade. Kenza, quoi, j'avais la dalle. On comprend rien, frère. Bah, c'est pour ça. C'est quoi, envoie-lui ça à Yasmine. Oh, non, mais envoie-lui ça et tu lui fais un vocal. Tu dis, écoute, Yasmine, je sais pas si t'as compris, mais en gros, c'est ça. En gros, fais-lui un vocal après. Ah ouais? Ouais. Coucou Yasmine. Donc, je sais pas si t'as compris mon écriture. J'ai écrit un peu, voilà, vite fait. En gros. Là, je vais tester la croquetterie, c'est, je suis jamais allée pour Nalux et je vais essayer de trouver des bons trucs à mâchouiller parce que les Malinois, ça, bah, tous les chiens ont besoin de mâchouiller et surtout Nala, elle a toujours. Enfin, je sais que les Malinois ou les gros chiens, ils ont besoin de ces d'activité et il lui faut du solide. Hein. Un chien comme le vôtre, ça pourrait être intéressant. Ah, ça, c'est pas mal. Oui, voilà, exactement. Il y a plus de goût dans celui-là. Oui, tout à fait. Ok. Hein, donc ça c'est envisageable ça. Ouais. Bah, voilà. Ok. Est-ce que vous avez ensuite les. Alors ça va être mangé plus vite les sabots de veau. Et c'est trop petit. Elle est très speed. Ouais. Du coup. J'ai autrement les nerfs de bœuf, vous devez connaître. Les nerfs. Ouais, mais ça elle finit en 2 secondes. Oui. D'accord. On a même pas le temps de le voir. Mais j'ai des grands gabarits. Ah. Parce que je vais acheter ça une fois. Je me suis retournée, il était plus là. Hein. C'est bon, j'ai fait les magasins pour Nala. Du coup, j'ai pris 2 cornes comme ça. Ça dure plusieurs jours, mais ça, elle a kiffé. Parce qu'il y a plus de goût dans celle de mouton que celle de buffle. J'ai pris du buffle la dernière fois et voilà. Donc voilà, elle va kiffer. Parce que les petits trucs, genre nerf de machin ou machin et tout, Nala, elle le finit en 2 secondes. Genre, ça reste pas longtemps. Elle a une mâchoire, laisse tomber, elle est au taquet, la meuf. Nala, j'ai une surprise pour toi dans la voiture. Viens, regarde. Viens. Regarde la surprise. Viens. S'en fiche de ma surprise. Saki. Ouais, elle est montée direct. Attends. Gilsy. Oh bah oui, elle est contente. Hein. Ça, c'est la place de Nala dans le coffre. Regardez l'état. C'est un chien de la nature, hein, je vous le dis. Hein. C'est un malinois de la nature. J'ai ma petite carte métro, je suis une professionnelle à mon nom en plus, je suis très contente. Bref, là je suis genre à Disneyland en fait. On peut trouver peut-être une chaise de bureau ici du coup. Moi ce que je cherche c'est des sucettes pour... voilà. Oh, il y a des chips, genre j'ai envie d'acheter des chips pour rien. Mais c'est bien quand on fait des événements en salon et tout. Là on a des gros paquets, c'est trop bien. Des sirops à la fraise et tout. On a même le droit d'acheter de l'alcool. On va pas en acheter, hein, mais on a le droit. Bah si, pour faire l'apéro. On fait pas l'apéro, mais... Voilà. Bah viens, on prend chaleur. Du popcorn. On va... Mais maman, c'est pas pareil. On va acheter des trucs, rien à voir avec l'institut de beauté. Eh maman, ça c'est stylé par contre, regarde. Regarde. Des chips. Et juste parce que c'est dans une boîte comme ça, c'est stylé, maman. 10,60€, tu vois là, franchement, c'est 10,60€ tout. Sans la TVA. Que des sucres rouges. Ah, rouge, pas mal. Ouais, sont beaux. Genre, tu sais, pour Noël, tu peux faire ouais, des ambiances. Ouais. Cette taille-là ou cette taille-là? Non, ça c'est petit. Ouais, mais ça fait plus magasin, ça fait pas plus restaurant. Ouais. Il est 19h et Sean a fait son dernier soin de la journée. Arrête, il fait froid. C'est pas un chien, quoi. Il est rentré. Pourquoi le monsieur tout à l'heure, là? Pour dire qu'il y a un truc des eaux et du coup, l'eau va être coupée lundi. Mais oh, je dis, ça va pas lundi. Ouais. Bon, le vlog, là, c'est la fin du journée. Je vous promets que même la caméra ne suit pas tout ce qu'on fait dans la journée parce que j'ai pas tout filmé. Mais on va mieux faire pour les wiki vlogs au fur et à mesure. Voilà, Chérine, en tout cas, elle a fini sa journée. À cause de Kenza, je finis ma journée à 22h en fait. Ici. Sa journée des soins. Sachant que j'avais du taf sur mes réseaux à faire que j'ai pas pu faire à cause d'elle. Ah ouais. Bah, tu vas rentrer, tu vas faire quoi? Non, mais Kenza, je suis KO, t'es malade ou quoi alors? Il est à 22h, toi tu veux pas que je réussisse sur les réseaux en fait. Tu fais exprès que tu veux m'enfermer ici. Mais tu vas faire ce que moi j'ai fait quelque chose, je devais faire un reels.
J'ai pas fait mon Reels en fait, parce que moi aussi j'étais en train de faire les courses. Ok. 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 Après j'étais là en train de vider la caméra parce que la caméra n'avait plus de place en fait. Ok. Après j'ai fait du rangement. Ok. Parce que il faut faire le ménage à la fin de la journée. Hein. Oui. C'est important. Donc Shirène est en train de tout cleaner. C'est bon. Mais j'ai tout nettoyé ici. Hein. Ah super. Shirène est en train de tout cleaner. Voilà. Regarde qui a pris par exemple le stylo doré. C'est toi? C'est pas moi. Mais il est là. C'est trop chiant. Good morning. Ça va bien? Je t'ai préparé ton repas. Day vendredi, comment tu te sens, Shirène? Fatiguée, franchement, c'est chiant. J'en ai marre d'être fatiguée. Pourquoi on est KO comme ça? Moi aussi, je suis KO. Après, ça va mieux que les autres semaines, mais. C'est vrai? Je pense que plus les semaines avancent, plus on arrive à se caler. J'ai dormi à 5h du matin. Quoi? Ah oui. Eh putain, mais on est en réserve en fait là. Ah. Du coup, elle va rester au salon. Voilà, elle va charbonner. Et moi, je vais aller chercher, je vais aller me préparer parce que là je suis sortie en pige, je laisse tomber. Et je vais aller chercher le meuble IKEA pour ranger le bureau. Donc ça va être ça ma mission du début de journée. Séparateur, structure. Dégoûtée, ça a baissé ma. Enfin bref, j'ai perdu la carte bancaire. Ça casse tout, en plus la carte bancaire de ma mère, je l'ai. Bref. Tu l'as? Ça, c'est dans la boîte. T'es dans la voiture. Et franchement, on est devenus des pros avec ma mère, avec Kika. Là, elle laisse tomber en ce moment. On enchaîne et c'est pas terminé parce qu'après, on a la cuisine à faire et tout. Mais bon, ça, c'est pour le bureau du salon. J'arrive au salon, je le monte direct. Yo, Shirène, j'en ai marre d'être moche, Kenza. Je suis d'accord. Bah, fais-toi un brushing, arrête de nous saouler. Un brushing? Ouais. Ça va, petit zazou? Ouais. Ça va, les gars, vous allez bien ou pas? C'est passé des trucs avec Kia. Hein. C'est vrai? Y'a quoi? Eh bah, c'est Kenza, c'est monté ce soir, je te le dis direct. Hein. Mais pas ce soir, maintenant? Ah oui, maintenant. Donc, je vais faire quoi là? Je suis encore faible, c'est un truc de ouf, je suis faible. C'est passé quoi? Bims, tu m'en laisses, hein? On vient tout de suite. Oh! Après, je vais mettre. Ouais, mais c'est pour maman. Hein. Ah, je pensais pour les clients. Non. Bah, tu te rappelles au début. On est capable. Attends, au début, vous. Non, on n'est pas des radines, on donne grave la qualité. Non, on est. J'avais acheté plein de snacks, genre mini sneakers, mini Toblerone, mini dents, mini. Twix, tous les trucs comme ça. Et pas en bonbons, genre vraiment les mini. Bref. Et Kenza, je lui disais quand tu sers un café, mets en pas 5. Enfin. Non, au début, tu disais pas ça. Bah, si, arrête. Tu mets pas un check en fait. Parce que sinon, bah, on s'en sort pas. Genre. Quand elle servait un café ou un thé ou un truc comme ça, elle mettait un Snickers, un Toblerone, un Twix, enfin des trucs comme ça. C'était vraiment les barres de céréales. Je faisais des tartines et tout là. Et du coup, je dis, Kenza, tu peux pas parce que du coup, il faut qu'on ait pour tout le monde et tout. Et déjà, c'est rare dans les salons. Enfin, c'est rare. Tous les salons déjà n'offrent pas un bon chocolat chaud. Tu sais, nous, c'est vraiment genre. Du vrai lait, bref, Nespresso, bref, des trucs qualité. Et Gana, j'ai dit, ouais, calme-toi. Et elle fait, ouais, t'es grave une crevarde et tout, faut leur mettre au moins 3 chocolats quand même. J'ai dit, mais Kenza, bah, si tu veux. Et après un moment, Kenza, un mois, deux mois, elle vient voir, elle fait, eh, ça descend vite hein, les stocks de chocolat. Donc on a changé, on a toujours des petits dents, des petits machins. En plus mignardise, en plus petit, et voilà. Parce qu'ils viennent pas là pour se nourrir, moi j'ai trop besoin de nourrir les gens. Ouais, c'est un truc de ouf, j'ai trop envie de nourrir les gens. Non. Quoi? Tu vas manger ailleurs, Shirène, je me mets à travailler là. Mais travailler sur quoi? T'as besoin d'ici? En fait, j'avais poussé ça. Mais j'ai une transition à faire avant. Ah, moi je me mets où pour graille, wesh? Eh, c'est trop bien ça! Oui, du coup, j'ai perdu la carte bancaire de Mams. Quoi? Ouais, mais après ça va, je l'ai retrouvée. J'ai demandé à l'accueil et la meuf de l'accueil, elle m'a rappelé, ils sont trop efficaces à Ikea, ils sont trop mignonnes à Ikea. Moi je kiffe Ikea. Et j'ai vu la meuf de la danse. En fait, il y a une meuf. Bah... Putain, elle sait que la dernière fois, j'y suis allée là pour rendre un meuble. Non, mais attends. Attends, j'y suis allée pour rendre un meuble. Ouais. Parce qu'ils connaissent pas l'histoire. Et c'est sa collègue qui m'a accueillie. Mm. Et après, sa collègue, elle me dit. C'est une jeune aussi, elle m'a dit. Oh, je vous reconnais et tout. Je dis non, c'est pas moi, c'est ma mère et ma soeur. C'est pas moi. Moi, j'ai rien à voir avec ce qu'elles font et tout. Après, elle loot de la danse, je sais plus comment elle s'appelle. Léonie. Mm. Elle était morte de rire.
pour ceux qui suivent nos stories sur Snap et tout, vous savez l'histoire du dressing de la maison, que c'était n'importe quoi. Grave. Et bref, les meufs d'IKEA, on les a fait tourner la tête, je vais pas vous raconter l'histoire ici, mais c'était une galère. Et du coup, maintenant, avec ma mère, on a honte quand on y va et tout. Et là, je l'ai vue, elle m'a fait un grand sourire et tout. Mais parce qu'elles sont trop mignonnes. Elles travaillent de ouf, hein. Ouais, ça se voit, elle est là, elle est fraîche et tout. Elle y va, elle est au taquet, hein. Ouais. Elle fait pas semblant. Chérine, elle a une petite pause. Hein. T'as quoi après? Un sans prestige. Ah ouais? T'as préparé? Non, mais la cabine, elle est clean, hein. Hier, je crois, je suis partie, je l'ai cleanée, hein. Bravo, je suis quelqu'un fière de ça. Juste, je vais refaire le sol, là. Oh, Sanitol! J'avais pas compris. Mais je t'ai dit ça, Sanitol. Ah ouais, c'est canon ça, parce que ça, ouais. Ça part trop vite. Hein. Et moi, je suis en train de monter le meuble. Et en vrai, celui-là, il a l'air trop facile. Parce que moi, j'ai. Ouais, prends, active-toi, meuf, active-toi. Ah, c'est bon, tu me parles parce pas. Parce que ce soir, il faut que ce soit rangé en fait, dedans. Non, mais tu me parles pas comme ça en fait. Oh, c'est ça que je veux, Kenza. Quoi? T'as dit, elle veut trop ça, chérie. Bah oui. Ça coûte combien? Ça coûte 120 euros. Et plus ça, 59 euros le truc au moins. Ah ouais! Là, c'était 10 euros. T'es non, 30, 32 euros. Ah non. Où? La corde, elle a 32 euros. Oui. Mais en bas, c'est 120. Pourquoi j'arrive jamais à finir ce que j'ai à faire ou à faire du contenu et tout, parce qu'il y a toujours un truc à faire. Là on doit aller à l'autre bout de Nantes pour aller chercher un colis. Non, c'est pas la douane là, je sais pas. Ils sont chiants là, voilà quoi. Donc je vais finir mon reel s'il fera nuit. En plus j'ai dû m'arrêter parce que Chirine, elle avait un soin du visage, donc je pouvais plus visser. Et voilà. Suite de la journée, on se retrouve à Ikea. L'affaire FedEx, colis et tout, c'est bon, c'est réglé, il y a juste à attendre. La douane. Hein ? La douane. Oui, la douane. Parce qu'en fait, il nous manque les portes et je l'ai remarqué dans la voiture. En fait, de vous préparer ce qu'il vous faut, en fait. Là, du coup, peut-être, ils vont me donner un bon commande. De venir directement chercher, peut-être. J'ai bon. Et devinez ce qu'on a fait ? On a pris les mauvaises portes. On a pris des portes trop grandes. Du coup, on prend pas les portes. On va retourner à Ikea pour échanger les portes. Bref, le temps passe. Je pense que je vais pas finir aujourd'hui. Je vais chercher les portes et après, je vais m'occuper de Nalux. Hein. Puis voilà. J'espère au moins que dans ce vlog, je vais au moins finir le bureau et lancer le site. C'est le but de cette semaine. Voilà. Sinon, j'ai envoyé mon site à ma best friend's avec un code et tout pour qu'elle le teste et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Donc, on va voir. Alors, le site, il est épuré, j'aime bien. C'est pas trop chargé, c'est pas. Il n'y a pas trop de pubs, les trucs qui viennent. Ça, j'aime bien, mais c'est cool. Ensuite, je trouve facile d'utilisation. C'est clair, c'est net. Il y a la disponibilité des tailles, le prix. Pour ce qui est du prix, franchement, j'ai trouvé que. Ça allait pour tous tes articles. Je trouve que c'est ni trop haut ni trop bas. Et franchement, j'ai kiffé les photos, ils sont canons, ça sort super bien. Elle m'a dit qu'elle a plus de batterie, mais du coup. Ah ouais? Moi aussi. Ah, toi aussi t'as plus de batterie, je te passerai mon chargeur. Bon, les plans ont changé. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré les bonnes portes. On a été hyper efficace, on a fait aller-retour Ikea. Ikea marchandises. Voilà ici. Les plans ont changé, du coup, moi je jette ça au salon et je vais m'occuper de Naluk. Je vais lui faire une grosse balade et j'embarque Melvin avec moi. Yes. Comme il est tard, j'ai un peu peur de croiser des sangliers, quoi. Vraiment, j'en ai croisé l'autre fois, j'ai flippé. Donc je fais ça et Chirine, elle est en train de ranger le salon. Parce qu'elle a fini sa journée au salon. Voilà, elle va pas finir avant 2h comme hier. Ouais. Mes déménageurs ramènent mes portes. Je suis fatiguée. Ah, Chirine. Le plan de la journée a complètement échoué. J'ai pas fini le dressing. Et voilà.
Donc là, on part un peu à l'arrache, on n'a pas fini le dressing. Mais Chérine, elle est KO parce qu'il est... Quelle heure, Chérine? 23h30. Il est 20... minuit. Il est minuit. Elle a passé... Elle est un peu vénère, là. Ouais, je suis vénère, ouais. Là, elle est sur les nerfs, elle a envie de me défoncer. En plus, on doit raccompagner Melvin. Et voilà, quoi. Donc, on va rentrer, doucher, dormir. Quel mec? Le blanc. Ouais. Parce qu'il y en a un que Nala, elle aime pas. Fais attention. C'est qui? Le staff. Non, pas le staff avec le mec. Là, c'est le mec qui, tu sais, je crois qu'il mordit et tout. Ah, ça me dit rien. Même là, dit son chien, il, genre, il ferme les yeux de son ah, chien. Ah, lui, lui. Bah, fais attention. Bah, j'ai fait demi-tour, mais je l'ai pas vu passer. Là. Parce qu'en ce moment, elle agresse des chiens, cette folle. Ouais. Sauf que là, elle a pas un vrai colis, en fait, donc je peux pas la tenir. Tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse? Non, c'est juste voir s'il est là. Oh, je... Bon, allez, hein, on se retrouve tout de suite pour vous et demain pour nous. Voilà, bisous. Ah oui. Bon, on rentre. Tu peux dire l'heure, Chérine, là? On rentre, il est... Day vendredi, là, on est vendredi. Il est minuit 36. Minuit 36, on est juste de rentrer. Arrête! On va juste rentrer à la maison. Et là, arrête! C'est... Non, mais là, sérieux, c'est hyper énervant, Chérine. Elle est malade. Du coup, ma mère, en plus, elle a faim à manger, ça fait grave zizir, en fait. Non, mais maman, ça sent manger. Le de ouf. Elle dit, moi, c'est genre, il est gluant ou pas? Il est collant? Elle me saoule à dire ça, là. C'est notre plat, genre, favori en ce moment. Viens, je vais dans ma douche. Non, je vais dans ma douche. Mais viens, on va présenter notre plat. Mais non, mais t'as des... Tu t'es même pas lavé les mains? Mais je touche pas. Ah oui. Bah, donc super, là, il y a notre plat cool, favori. Oh, ça m'a l'air gluant, ça m'a l'air gluant. Arrête. Ça m'a l'air gluant. C'est du riz avec des épices, des poivrons et du tout. Du poulet, des carottes. Oui, voilà, des chiens d'un gluant. Du riz collant. Ça s'appelle du riz gluant, en fait. Hein. Oui, mais on s'en fiche. Et alors, ça. Vous, vous aimez trop modifier les trucs. Vous, vous aimez trop changer, en fait. Vous, vous aimez trop... Mais elle est chope. Avec une burrata et c'est une pépite. Donc là, on va se doucher. Je vais me doucher après. Vas-y, traîne pas. Et après, on se retrouve demain. Puis, on fait une journée pour les caméras. Une nouvelle journée. Genre tout pour les caméras, tu vois. Genre, on est des sœurs qui s'aiment. Bah... Ah! Et pour les caméras? Mais je m'en fiche pour les caméras, en fait. Elle aussi, elle a passé une bonne journée. Hein, ouais, Nala? Hein, Nala? On te fatigue. Est-ce qu'on te fatigue, Nala? Est-ce qu'on te fatigue? Non, mais ça allait brûler. Maman, toujours tu brûles le riz. De ouf! T'es pas une brivante de con. Non, je suis fatiguée. Nala, t'es fatiguée, ma bûchette? Tiens, les meubles, oh. J'en ai marre. Nala, elle est fatiguée, elle dit j'en ai marre, vous me ramenez partout, vous êtes des malades en fait, vous avez pété un câble. Je suis une ouf. On est partis ce matin comme des ouf et je vous ai oublié. Du coup, je suis revenue, enfin, j'étais un peu au salon, enfin, j'ai tout mis en place et tout. Chérine, elle a commencé les RDV. C'est une journée plus tranquille aujourd'hui, mais quand même, elle travaille toute la journée. Et du coup, je suis rentrée pour venir vous chercher, bien sûr. Hein. Je n'allais pas passer la journée sans vous. Et en même temps, ben, je me mets quand même un peu de crème et tout. Quand je vous dis que je suis partie comme une folle, c'est comme une folle. Du coup, je fais mon petit teint vite fait. En agraille, comme ça, on va manger direct. Et après, je finis le dressing. Enfin, le dressing. C'est pas un dressing en vrai. Mais c'est un géant dressing et qu'il a pris. Et après, je termine le placard de rangement. Donc, je me spin parce que pour pas perdre de temps. Parce qu'en fait, à 13h, je crois, Chérine a un soin du visage. Il faut que je finisse avant. Normalement, il est 10h30, je vais finir avant. Mais quand même, le temps passe tellement vite que faut que je finisse avant parce que sinon je peux pas le faire quand elle est en soin du visage, juste à côté, tu vois. Terminé de mettre toutes les charnières pour les paniers, c'est trop bien. Je suis un petit peu multifonction, vous savez, je ne comprends pas. Je suis en train de faire un vlog.
faire un TikTok, faire des stories, répondre au téléphone de l'institut et faire un meuble. Tu sais, je me sens mieux juste parce que mes chevilles sont faites déjà. De ouf, ça fait du bien. T'as ramené les rings ou pas? Oui. Tu vas grailler maintenant? Hein? Tu vas grailler maintenant? Bah, il est midi en fait, je commence à bosser. Moi, je commence à bosser à partir du moment où je me réveille. Du coup, je commence à bosser à 9h. Bien avancé, hein? Franchement, c'est. Tu mets toutes les panières là. Un petit en désaccord, mais bon, j'ai cédé. Mais non, mais meuf, moi, je voulais le mettre là derrière le bureau. Le bureau, vas-y, dis-le, il va aller. Non, j'avoue, mais j'avais. Mais parce qu'en fait, j'ai commencé mon Reels comme ça. Comment je le finis? Ce que tu préfères là. Du coup, en fait, regarde. Alhamdoulilah, je suis bien là, je suis fatiguée mais je suis bien. Ouais, parce que c'est la fin de semaine. Ah du ouais, coup, c'est peut-être pour ça. Ouais. Du coup, regarde, là on a des planches comme ça. Ouais. Tu vois. Et là, on a deux tiroirs, tu sais, comme on a à la maison. Deux tiroirs blancs là. Oui, ouais. C'est les plats. Du coup. Ah, les plats. Oui, il est tout plat là où tu mets les. Oui, bah dis les plats. J'ai dit où tu mets les légumes. Où tu mets les bijoux. Du coup, là, je vais mettre un plat. Vous servir à quoi les plats? Bah, je sais pas. Mais en fait, regarde, je vais mettre un plat. Ouais. Et est-ce que je mets une planche blanche à quel niveau par-dessus? Tu sais, dans le plat, tu veux mettre des trucs épais. Qu'est-ce qu'on met dans le. Ouais, mets-le pas fin comme la maison. Ouais. Mets-le un peu plus épais. Parce que je me dis, dans le tiroir qui roule, est-ce qu'on met par le exemple. Le tiroir qui roule, ouais. Le tiroir là. La planche là. Est-ce qu'on met genre, tu sais, l'imprimante du site et tout? Genre cette boîte là, ça va être trop épais. Tu sais, je parlais d'un truc mais plus fin que ça même. En fait, sûr. En gros, c'est comme ça, mais t'as des trucs plus fins, t'as en tissu genre. Et c'est long, mais ma Ikea. Hein. Et comme ça, tu peux les tirer. Ouais, mais comme on n'a pas la taille là. J'ai terminé, regardez-moi. Alors, du coup, cette beauté. Dit, n'hésitez pas. Maintenant, je vais virer tout ce qu'il y a là parce qu'elle veut mettre le meuble. Non, ma mère et ma soeur, elles veulent mettre le meuble bah, dans le couloir. Et pas ici, mais j'avoue que c'est une bonne idée en vrai. Ça, c'est parce que je crois que ça se range et du coup, ça. C'est plus facile. Je crois que le fait que mes cheveux soient faits aussi. Mais je te jure, ouais, mais tu sais, quand tu te vois pas bien, ça aide. Non, en vrai, quand t'es fatiguée et que t'es moche, c'est encore pire, t'as vu? Ces derniers temps, je surveille pas l'heure. Et hop, les clients, elles arrivent comme ça. Son visage est quand même galère l'autre fois. Attends, il est quelle heure là? Ouais, parce que c'est par la tête. Non, mais ça va. Mais de toute façon, tu mets juste à sousser les meubles et c'est bon. Hein. Attends, mais ça faut les. Non, mais mets-les sur le déco. On a marre de vivre dans le bazar, on a marre. Mais non, je veux visser avant le soir. Je fais un plan TikTok parce que. Vas-y, fais un plan TikTok. Il est grave. Hey, je trouve, il est grave, mais il me sent ton TikTok. Putain! Est-ce que je peux faire genre aussi, c'est moi qui l'ai monté et je le poste? Ah, si tu veux. Oh, tu m'incites à mentir à la communauté! Putain, t'es pas bien, Kenza. Et tu peux faire une transition, genre, y'a rien, bim, y'a quelque chose. Ça me fait oser. Ouais, on verra. Mais tu sais que j'ai vu des meufs qui faisaient devant un dressing. Devant des. En plus, nous, c'est en moulure. Ouais. C'est pas. Ça fait. Mais je trouve que ça fait pro, tu vois, sur le. Ça fait hyper pro. Mais on s'en fiche, le meuble, il sera par là-bas. Sur le site. On aura le temps. Encore Instagram et tout, ouais, tu vois. On aura ce qu'il faut pour faire là, non? Hein? Je suis en apnée depuis tout à l'heure, ça me saoule. Respire. C'est moi qui colle ou c'est toi? Moi. Vas-y. Pousse au max que tu peux, toi, ou quoi? Donc ça fait ça, dans le couloir. Ça le fait? Bah oui. On se retrouve une heure après, Shirine elle a fini le soin qu'elle avait et elle reprend après, il lui reste quelques rendez-vous. Moi du coup j'ai fait une grosse pause et je me suis mis sur le site. En fait j'ai plein de trucs à finir donc là j'ai fait une pause sur les portes. Je mange,
tu fais pas le les riz. Portes là ? Non, là je fais des trucs sur le site. Ok. Mais les portes, c'est... t'inquiète, ça va le faire. Le temps est passé. Et en fait, je suis restée genre une heure facile sur le site à ajouter plein de trucs parce qu'il manquait plein de petits trucs. Et là, Fiona est en train de tester. Là, tu mets tes infos et normalement, tu vas pouvoir payer en carte bancaire. Et peut-être, t'as vu, tu peux choisir en magasin ou expédié. Tu vas mettre ton adresse mail. Ouais, j'y vais parce qu'il faut que j'aille, là, Chérine. Du coup, j'ai pas encore terminé, mais je finirai tout à l'heure. Je vais aller chercher ma mère. Je vais aller... Ah oui, bon bah attends. Je vais aller chercher ma mère, je vais aller m'occuper de Nalux, lui faire un petit tour et après je reviens au salon finir le rangement et le site. C'est un peu la course là, il me reste que aujourd'hui pour tout finir, pour faire des reels et tout ça. Va-t-on réussir? Je sais pas. Chérina reste là, elle va accueillir, il lui reste 2-3 clients je crois, pour des sourcils et après elle a terminé. Regardez-moi cet animal d'intérieur là, il y a du soleil Nala. On sort, Nala, on sort. On sort. Depuis tard, elle est dehors, Miskina. Miskina. Le vlog, on vous avait laissé à la maison. Balader Nalux. Chérine, elle a rien fait du tout. Elle est restée assise sur cette chaise depuis tout à l'heure. Non, je rigole. Elle a fini, il doit être 20h30. Et j'ai fait les portes. Du coup, vous n'avez pas vu. Mais j'ai fait les portes. Donc, c'est fini. Là... Il est 20h30, on va ranger. J'ai fini le meuble. J'ai fini le meuble. Ça y est ? Bah, j'ai fini le meuble. Et du coup, il y a tout ça à ranger, c'est parti. Tout ça. Nalux est avec nous. Nalux est dans la place. Ouais, je suis trop contente. Là, on est en train de commencer à ranger le placard. Le rangement. Donc là, je commence à ranger tout ce qu'il faut. Oh, c'est trop beau. Et Chérine, elle est en train de ranger l'institut. Fin de semaine, c'est toujours le grand ménage. De ouf. Fais une petite étagère pour ranger ça. C'est un peu galère d'organiser tout ça. Ça va le faire, ça va le faire. J'ai récupéré la webcam. Chérine, elle a fait une grasse mat de fou. Putain, de ouf, ça se paye, on essaie de dormir. J'aime pas ça. J'espère que t'es pas sur ton compte principal. J'ai pas mis sur mon compte principal. Ouais. Elle nous saoule, elle. On est là, on la supplie, wesh, de booster. Là, j'ai fait un petit post sur mon compte Horse. Regardez comment on est trop beau. Et le truc du jour, c'est qu'on est dans Presse Océan, trop mimes. En plus, il y a la tête de Nalux. Oh, on va aller l'acheter tout à l'heure. Pas du tout, même stade de la journée, Chérine et moi. Là t'as la sauce tomate, regardez comment je les ai trop bien préparées. Elles sont canons par contre. Bonjour, j'ai vraiment préparé un tupperware là pour aller au... C'est trop stylé hein. On le paye combien? Au chocolat franchement facile. 9. N'abuse pas quand même. Ah bon? Bah ouais. Je sais pas. 4€. 5. 4,50€. 5. Nous sommes arrivés au salon. Je vais vous montrer parce qu'on vous a pas montré hier soir, on était genre capoute. Regardez-moi ça. Regardez, oh, ça fait trop du bien. Ça me fait trop du bien que les trucs soient rangés. Vous savez que j'ai rangé un peu à l'arrache, mais c'est quand même rangé, hein. Oh. Ah oui, dédicace Inès dans le... Oui, quand même Inès. Ouais. Arrêtez, ils vont dire que vous m'avez... On a exploité ouais. Inès. Non, on n'a pas exploité, on l'a payé en sucette. C'est Bébé qui était le plus content. On l'a payé en sucette. Là, ça va être le moment, on va lancer le live. En fait, j'ai trop le seum, je vous ai pas filmé et tout, mais je suis restée 1000 ans encore sur le site. Il y a toujours un truc galère, mais bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Je me suis make-up, Chérine aussi a ses make-up. On a Nalux qui est là. Ça passe bien ? Ouais, il manque rien. Tu l'as ou pas ? Ouais, je l'ai, mais il manque c'est pas juste. Bientôt. Ouh, on a remplacé la machine. On a ma mère. Non, c'est bon, t'inquiète. Et on a Inès. Merci Inès pour le repassage. Il y a que celui-ci parce qu'il n'y a plus d'eau. Ah non, mais t'inquiète, ça le fait. Il y a d'eau là-bas derrière le comptoir. Oui, elle est là-bas. Bah, c'est bon. Je passe un coup si tu veux. Oui, oui. Ouais.
Ouais, ça, ouais. Ça non, ça le fait là. Pour la vidéo, ça le fait. Bon courage pour ce soir. Merci. Et puis, ça a marché, il n'y a pas de problème. Ça va être un flop, un jeu. Mais on boira le shampoing mis ensemble quand même. Oui. Ça fait un an qu'il est dans le frigo. Et bah, du coup, on boira le shampoing pour l'institut, pour notre rencontre, à nous un an. Ouais. Et voilà, tu vois. Ça fait pas encore un an qu'on se connaît. Bientôt un an. C'est quand ? T'es prête? Ouais. Ah vas-y, viens, on fait si tu veux, tu vas voir en vidéo. Vas-y. On se met un peu plus loin. Ou on arrive. Attends, sors. Et tu rentres direct en fait. En gros, tu me prends la place. Voilà. En fait, je vais faire ça, tu vois. Oui, bah vas-y, fais. Du live, ouais. Et là on va en faire une deuxième partie après. Et je me lavais les mains, j'avais trop faim. Lollapalooza, et qui nous avait demandé pour les pantalons. Ouais. En fait, on a été à un festival Lollapalooza pour ceux qui connaissent, et on a mis les pantalons de la collection là-bas. Et il y a une fille qui a dit oh, j'aime trop, ça vient d'où? On a dit c'est notre site, on va bientôt l'ouvrir. Elle nous a envoyé un DM direct, trop mignonne. C'est une nantaise, elle va venir. Quoi, c'est une nantaise? Du coup, Kenza, si tu pourras préparer un espèce de petit, quand même, tu sais, que tu sois toujours prête à montrer. Parce que pour nos clientes et tout. On t'a pris un menu, Nalux. Ah, pas un menu. Si, j'ai pris des trucs. Nala, t'as faim? T'as faim, Nana? Tu veux manger? Tu veux manger de la dalle, Nala? T'as faim? T'as la dalle? Alors, je vous dis que Nala mange toujours avec nous. Nala est égale à nous. Bientôt, on va lui mettre une chaise. De clôturer le vlog, mais avant de clôturer le vlog, Shirine, on devait montrer ce qu'on a fait au salon hier soir. Ah ouais. Tu te rappelles, tu m'as dit ouais, on va faire demain. Bah tourne-le, tourne-le. Montrer quoi? Tu vas te lever, tu vas montrer les sacs que t'as accrochés là-bas. Les petits sacs. C'est ça que tu veux montrer? Oui, c'est ça que je veux montrer. C'est ça que tu veux montrer? Oui, c'est ça que je veux montrer. C'est ça que tu veux montrer? Ouais. This is Oh, comment on dit? Je sais pas, comment on dit quoi? Little bag, little oui, pochettes. Oui. Pochettes. Bag? Little bag, yeah. And this is black. And this is white. And fit dough. On fait des gros bisous. Et si vous avez aimé... Viens, Shirine, tu dis au revoir avec moi. If you like it, this video, just watching, watching, like it. Watching. And just play this fingers in the nose. And like, subscribes, and... I'm trop drôle! And just watching all this video on this channel. Et quand elle est partie, elle s'arrête plus. And, how do you say abonnez-vous? Follow? Ah, oh, yeah! Là, c'est bon, c'est bon. Ah, liste, je suis fatiguée. Là, là tu fais n'importe quoi. C'est pas bien, c'est pas bien. Tu regardes pas. Tu regardes pas. No, just follow and yeah, we love you guys. Bye bye. Si vous avez aimé ce wiki vlog, c'est bon, ils ont compris. C'est bon. Tu sais, les clôtures de vlog de vidéo YouTube, ça date de 2009, ma soeur. Bon bah, commentez, likez, on se revoit bientôt. Tu dis pas aux gens s'ils ont pas envie de commenter, de liker, okay. Ils vont pas commenter, liker en fait. Bah, faites rien en fait, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ouais. Bisous. Bisous.